Coup de tonnerre au château. Un élève a quitté les lieux. Il s'agit de Pierre, demi-finaliste de la Star Academy 2023. C'est une phrase de Malika Benjelloun captée par une partie du public qui a tout bouleversé pour le jeune candidat de 21 ans. La suite après la publicité départ inattendu dans la Star Academy 2023. Ils ne sont plus que trois encore en lice, le finaliste Julien et les deux demi-finalistes Elena et Pierre, qui s'affronteront lors du prochain prime de ce samedi 27 janvier afin de savoir lequel s'opposera à Julien pour le titre de grand gagnant du télécrochet. Mais alors qu'il est censé préparer la soirée à venir, Pierre a bien du mal à se concentrer. Il faut dire qu'il souffre depuis maintenant plusieurs semaines. Star Academy 2023, Pierre au plus mal à cause de son oreille en décembre dernier déjà, Pierre avait fait savoir qu'il avait mal à l'oreille, et que cette douleur entraînait une altération de son audition. Depuis, son état ne s'est pas arrangé, bien au contraire. Lors des dernières images du live, mais aussi de la quotidienne de la Star Academy 2023, le jeune homme de 21 ans ne cesse pas montrer au meilleur de sa forme. Il a en effet été pris de vertige lors du cours de sport du coach Joe, continue de souffrir à cause de son oreille et se montre de plus en plus amaigri. Les téléspectateurs, inquiets de le voir ainsi, ont même tiré la sonnette d'alarme, alertant ainsi la production quant à un besoin urgent pour Pierre de voir un médecin. Pierre, Star Academy 2023, quitte le château pour voir un médecin, un appel qui a été entendu. Après des semaines de souffrance, Pierre va finalement consulter. Rien n'a été ouvertement expliqué à l'antenne, mais certains internautes ont eu les oreilles qui traînent. Sur X, anciennement Twitter, des internautes sont interpellés par les quelques mots que Malika Benjelloun lance à son élève. Tu dis bien tout ce que tu as et où tu as mal à la personne que tu vas voir, lui a glissé la professeure de danse, comme le notent nos confrères de Télé 2 Semaines. C'est ainsi qu'il est facile d'en déduire que Pierre va momentanément quitter le château de Damary-les-Lys pour voir un médecin. Star Academy 2023, Pierre et son oreille, une histoire qui dure. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Pierre consulte pour son oreille. En décembre dernier, le complice DH Elena avait vu un ORL, à savoir otorhinolaryngologie spécialisée dans le diagnostic et le traitement des troubles du nez, de la gorge, de l'oreille, et de la région tête et cou. Malgré cette visite, Pierre n'a pas vu d'amélioration. Reste à savoir s'il sera sur pied pour la demi-finale. La suite après la publicité.